Connerie pareille maintenant. Très bien. C'est une histoire très intéressante. Mais les sorcières vivent toujours dans la solitude. Tu avais du talent, comme je le suspectais. C'était mon échec de ne pas t'avoir appris les bases. Pourquoi n'as-tu pas fait un lavage de cerveau à l'IA pour le faire accepter son devoir quand elle était jeune? Je t'ai laissé bien plus de ressources que nécessaire pour le faire. Ça veut dire que tu m'as aussi menti à moi avec tous les rapports d'Arlecchino. Tant qu'il restera un peu de marais, Nike ne mourra pas. Il n'y a pas d'autre moyen de le tuer, à part purifier le marais de ce monde. Nike récupère petit à petit sa vie de Medea. S'il recommence à bouger, ce ne sera pas seulement notre monde qui va s'écrouler devant lui. Ne pas comprendre une vérité si simple et continuer à jouer ce soap-opéra est totalement stupide. Même mon pouvoir approche de sa limite. Mais c'est bien. C'est une bonne opportunité pour punir ton incapacité à faire une simple tâche comme celle-ci. Fais-le, Malia. Je refuse. Bien sûr, tu dis ça maintenant. Quelle pitié. Ruka tape dans ses mains et une lumière entoure Malia. Qu'est-ce que c'est, Topol? Topol. Topol. Renversée. Elle est renversée. Par le contrat de la sorcière, je commande à la sorcière des forêts Malia d'accomplir son destin. Je vais le dire une nouvelle fois, Malia. Fais-le. Qu'est-ce que tu lui fais, vieille pauvre? Allez, Malia, punis la mauvaise fille qui refuse d'écouter. Oh.
Eh ouais. Bon, Malia dans ta gueule. Vous croyez que Malia allait me tuer à ce niveau de jeu? Cet enfant a toujours été inutile. Alors tu me mentais, vieille peau, depuis le début. Non, c'était Oruka, et elle me mentait. Non, pas moyen. Non, c'est différent. Cela doit être un monde différent. Oui, c'est différent. Ce n'est pas le monde que je veux. Nous avons encore suffisamment de temps. Avant de mourir, je vais t'apprendre une nouvelle fois et te lier au marais. Une fois de plus. Uruka lance un sort et lie Malia avec une malédiction pour l'empêcher de bouger. Mais Talia avance ses mains ensemble pour l'empêcher de lancer un sort. Tchit. Roka utilise la magie une fois de plus et lance une malédiction qui frappe Metalia et le chevalier avec une force incroyable. Le chevalier est incapable de tenir face à la magie. Il est repoussé et tombe inconscient. En théorie, on devrait plus rien voir vu qu'on était le chevalier depuis le début. Ah là 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 là. Comme toujours. Quand il y a un marais dans le coin, cet enfant émet d'énormes pouvoirs magiques. Je ne retournerai pas au marais. Le pouvoir magique de Metalia augmente. Ouh, c'est pas passé loin. Il va peut-être pas falloir que je recule. C'est vraiment en train de céder. On change de plan, Lia. Il n'a plus à retourner au marais. Uruka garde un œil sur Metalia alors qu'elle continue de parler. Tu n'as qu'à rester ici pour toujours. Plutôt que moi, il ne reste plus qu'à toi de rester ici et d'assurer que Nikkei ne revienne pas. Ici? Oui, ici. Tu n'as qu'à garder Nikkei scellé pour toujours. Pour maintenir le sort de contrainte, tu vas devoir utiliser ton énorme pouvoir magique. Tu vas garder Nikkei scellé et le marais va disparaître doucement. Encore une centaine d'années. Pour une sorcière, ce n'est rien. Mais cela devrait être juste assez pour toi. Ta liberté a atteint sa fin. Pour que tu atteignes ce scellé, ça doit être le destin. Tu n'as qu'à rester ici et accepter d'être un sacrifice humain pour maintenir ce sort. Et pauvre. Allez, allez. Continuer à te débattre ne rendra les choses que pires. Peut-être que je devrais te tuer juste une fois. La magie d'Uruka commence à écraser la gorge de Metalia. Ne t'inquiète pas, même si tu meurs, tu vas revivre, n'est-ce pas? Tu as certainement bu, n'est-ce pas? L'élixir, la potion d'immortalité.
もしもなんてことがあってはいけないからね。Je ne pouvais pas penser que quelque chose t'arrive d'inattendu. Alors j'ai forcé Alekino à te la livrer. Le plus secret des secrets. Le livre contenant l'élixir de vie. Maintenant meurs, Lia. Quand tu te réveilleras, tu seras un héros et une grande sorcière. Mais seulement dans les livres d'images et cette prison. Tu ne seras plus capable de revoir le soleil. Mais cela ne sera pas vraiment un problème. Cet endroit n'est pas si mal une fois que tu t'y es habitué. Non, je ne vais pas. Il faut que je ramène Revisco chez elle. Je vais quitter le marais et jouer plus chez Visco et dans la ville. Je ne veux pas être seul. La vieille Hippo et Malia ne seront pas là. Seul moi j'y suis. Lia. Lia. Quoi ? Est-ce que le sort a déjà été levé ? Comme je m'y attendais, seuls tes sorts défensifs sont de premier niveau. Je ne te laisserai pas faire quelque chose ainsi. Je ne te laisserai pas rendre Lia, être forcer Lia à être le sacrifice pour le sceau. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? Il y a des moments où être le vilain est la seule chose qui peut sauver tout le monde. J'ai déjà décidé ce que je vais faire de Lia. Et quoi que tu fasses, tu ne pourras rien y changer. Malia secoue son bâton et contre le sort de Uruka. Une magie de protection entoure Metalia. Quoi, tu peux encore bouger ? Lia ! Désolé, je suis nettement désolé, Lia. Hé, hey, stop ! Pourquoi est-ce que tu pleures ? Ne t'approche pas tant. Je vais sentir le vomi. Je m'en fous que tu ne me pardonnes jamais. Je ne te laisserai plus partir. Hey, va-t'en. Trois générations de sorcières. Trois destins différents. Trois visions du monde. Ah, tu es tellement un bébé des fois. Tu es vraiment trop forte. Est-ce que tu essaies de me tuer par la force brute ? Ah, après tout, votre amitié est aussi forte qu'elle l'était il y a quelques années. Je savais que cela finirait ainsi. Si j'avais su que cela allait finir ainsi, j'aurais dû vous en parler depuis le début. Le temps commence à nous manquer, mais écoute bien ce que j'ai à te dire, Lia. Très bien. Moi, enfin, plusieurs Uruka dans le passé ont tué Nike, vous le savez. Bien sûr que je le sais. Uruka a été un héros. Un héros, hein. Certaines étaient des sorcières obscures.
La vérité est plutôt loin de la légende. C'était il y a environ 1000 ans. C'est à ce moment-là que Nikkei est apparu spontanément dans le monde. Il n'y avait probablement pas de raison pour laquelle il avait choisi ce monde. Tout ce qu'il voulait, c'était consumer et détruire tous les mondes qu'il trouvait. Nous autres sorcières, on a décidé de le contrer et on a trouvé où ce Nikkei se cachait. À ce moment-là, nous avons découvert que Nikkei avait ouvert son cœur à une prêtresse. Son nom était Aguni. Il avait partagé son cœur avec elle. Et sa nature destructrice avait commencé à disparaître. Et pourtant, vous avez quand même décidé de le tuer. Comme tu le dis, la marraine, la prêtresse aurait pu mourir. Et qu'est-ce qui aurait, à ce moment-là, empêché Nikkei d'être... Ou alors, qu'est-ce qui aurait pu empêcher Nikkei de finir par s'ennuyer de jouer avec cette prêtresse? Combien de temps cette paix allait durer? Jusqu'à ce que la prêtresse meure? Nous n'étions pas aussi optimistes. S'il devait s'opposer à nous à un moment, la meilleure méthode, c'était celle que nous avons utilisée. Même si nous avons dû utiliser la prêtresse comme otage, nous savions que nous devions tuer Nikkei. Un otage? Maîtresse, c'est... Sens-toi libre de me critiquer tant que tu veux. En tout cas, si nous n'avions pas fait quelque chose ainsi, Nikkei n'aurait jamais pu être vaincu. Après tout, il est un dieu. Non, quelque chose proche d'un dieu. Il n'y a pas d'histoire comme celle-ci nulle part. Ah si, moi je le sais. J'espère bien. Après tout, il n'y avait pas moyen que le royaume dise publiquement qu'il avait pris un otage afin de forcer un combat avec un dieu. Rappelle-toi cela, Lia. La légende, ce qui est raconté comme étant la vérité dans les livres, cela peut être altéré par les mains de ceux qui les écrivent. C'est ainsi que nous avons commencé notre combat avec Nikkei. Lorsque l'on appelle maintenant la ravin de Yaptoptokola. Ilkenben, Fahrenheit, Nora, Anmarashida. Je n'oublierai jamais mes 12 collègues. À l'époque, il n'y avait que très peu de mana dans le monde. Rien à comparer à ce que nous avons maintenant. Même si nous étions des sorcières, nous n'avions pas la force nécessaire pour tuer Nikkei. Par nécessité, nos forces principales se sont battues avec des armes qui étaient à peine enchantées. Un monstre tel que lui avec des armes normales. Vous auriez dû voir cela. Ah oui. Et contre cette monstruosité, nous n'avions même pas la capacité de les gratigner. Afin de nous offrir l'avantage du nombre, nous avons emprunté les troupes du royaume. Nous leur avons dit que tuer Nikkei nous permettrait d'avoir du mana
et de les aider à faire fleurir le monde. Et même cela n'a pas été suffisant. Les armes normales avaient leurs limites. Pour faire face à un dieu, on avait besoin de corps. On pouvait le contrer par la taille et la force. Et c'est là que nos collègues sont venus avec les méthodes obscures. Les Dark. Les sorcières corrompues. Corrompu, hein. J'imagine que c'est comme ça que je les ai décrits dans mon livre. Mais pour pouvoir obtenir cette forme si forte que nous avions besoin à l'époque, c'était le sort parfait. J'ai stoppé ce que je pouvais, mais beaucoup de mes collègues ont sombré dans les ténèbres. Et nous avons dû faire avec. Certains se sont tués pendant la bataille et les autres ont perdu toute pensée logique. Et Kilkenbun, Fahrenheit et Aramashira, ces trois-là avaient de grandes convictions pour garder Nikkei contenu dans ce monde. J'ai vaincu Nikkei. Et ces trois-là ont perdu ce qui restait de leur conscience. Et elles ont utilisé la magie pour le sceller dans ce monde. Quant à moi, j'ai répandu ma magie, ma doctrine, interdisant les sorcières de s'impliquer avec les sorts obscurs pour ne plus jamais ouvrir un chemin vers un autre monde. Melia a tout fait foirer et elle a voyagé dans un autre monde, ou plutôt Blacky l'a fait. A fait cette chose égoïste. Quoi, le chevalier? Quand est-ce que tu as fait une chose aussi stupide? Oh, tu ne savais pas, n'est-ce pas? Il a pris avantage du fait que tu ne le voyais pas avec, avec ton troisième œil et il est allé se battre sans te le dire. Quoi? Après tout, tu l'as élevé pour être une machine à combat. Tu lui as dit tant que personne soit né au courant. Tel maître, tel chien. Je pense que les choses vont bien ensemble. Il semblerait que tu saches beaucoup de choses sur ce qu'il a fait, vieille pauvre. Mon troisième œil a un talent exceptionnel. Une barrière si pathétique ne pourrait jamais me stopper. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais décidé de te punir. Il y a des choses bien plus importantes en jeu ici. Franchement, je suis soulagé. Tu as libéré mes vieilles camarades de centaines d'années de douleur. Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons fini par tuer Nikkei. C'est ce que nous pensions. Et nous avons seulement détruit son corps, sa forme physique. Nikkei a tout de suite commencé à se reformer. De plus, le mana qu'il avait répandu était trop dense. Les humains ne pouvaient pas vivre à côté. Ceux qui étaient en contact avec ce mana finissaient par se briser et devenir ce que l'on a appelé la peste verte. Beaucoup de gens sont morts. La peste verte.
À ce moment-là, se débarrasser des restes de Nike est devenu le devoir des sorcières qui avaient survécu. J'ai scellé la forme physique de Nike d'abord. À ce moment-là, Valentine a creusé les os de Nike et leur a donné une forme afin de créer un mécanisme pour sceller ce mana. Elle a créé un objet afin de modérer le mana, les piliers de la tempérance. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à contracter cette maladie horrible. Alors j'ai pris le gros pilier et les petits piliers et je suis allé faire sceller le mana à travers le monde. Mais je n'ai pas pu sceller tout le mana. L'endroit où le torse de Nike était tombé, Nibelheim, était bien trop important en mana et ne pouvait pas être scellé par un pilier. Nibelheim, mon marais. Oui, c'était le seul endroit que nous ne pouvions sauver. Disposer de tout ce mana était une tâche impossible. Pendant que je scellais mana, que je scellais Nike, j'ai aussi fait des recherches pour savoir quoi faire avec le mana du marais. Ce furent des longues et solitaires recherches qui ne semblaient jamais finir. Alors que j'allais dans les terres interdites par moi-même, j'ai nécessité de réfléchir à ce que je pouvais faire pour mettre fin à tout cela. Et à la fin, j'ai trouvé une réponse. Quelque chose qui serait né du marais, vit dans le marais, et dont la vie consumerait le marais. Une telle chose pourrait le purifier. J'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai planté des graines enchantées avec de la magie dans le marais et je les ai observées grandir chaque jour. Rien que des échecs après échecs. J'en perdais tout espoir. J'ai failli abandonner et là... quelque chose est arrivé. Une expérience qui a réussi, et cela grâce à Malia. Et celle qui était née à ce moment-là, c'était toi, Lia. Maintenant, tu comprends ta raison d'être. Tu dois vivre dans le marais et mourir avec lui. C'est celle que tu es. C'est ton destin et la raison de ton existence. Tu peux maudire mon nom si tu le souhaites. Mais pour mes collègues qui sont tombés au combat, et pour ceux qui sont morts de la peste verte, je ne peux pas plier face à cela. Je n'ai plus longtemps à vivre. J'ai utilisé beaucoup trop de magie. Si ma vie se termine, Nike ne sera plus scellé. Lia devient le substitut et le pilier humain qui maintient le sceau. Il faut que tu reprennes ma tâche. Je suis né d'une graine. Vous m'avez créé. Alors je suis une graine, une carotte, un destin. Répandre le marais à travers le monde, c'est mon destin. Ne te moque pas de moi, vieille peau. Je ne laisserai personne me sceller dans un trou à merde comme celui-ci.
Tu dois m'écouter, Lia. Récemment, une fée maléfique a commencé à tourner dans le coin. Quand j'ai le temps de tourner, il essaye de jouer avec le sceau. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à être égoïste, Lia. C'est ainsi que tu pourras protéger le monde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du monde? Tout ce que je veux, c'est faire revivre Visco. Je vais jouer dehors, avec Visco. Tu veux que je reste ici, dans cet endroit qui pue la moisissure, ce trou de l'enfer pour maintenir un scellé jusqu'à ma mort? Qui ferait ça? Ne te moque pas de moi. Calme-toi, Lia. La ferme. Je croyais en toi, vieille peau. Je pensais que tu étais de mon côté. Tu m'as créé? Tu me dis que c'est ma raison de vivre? Non, 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 non. Une vieille peau comme toi devrait juste mourir. Oh, Mani. Quoi? Eh, hey, vieille peau, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas le moment d'être égoïste, comme tu l'es d'habitude, Lia. Bah, Mani, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, comme tu peux le voir, les affaires habituelles. Eh, hey, la vieille peau. Vieille peau. Maître. Garde ton souffle. Je vais te soigner tout de suite. Ne bouge pas. Metalea et Lia commencent tous les deux à utiliser des sorts de soins sur Uruka. Bani, quand est-ce que tu es arrivé ici? Eh ben, je vous ai surveillé tout ce temps. J'ai senti la douce odeur du marais. La colère du marais remplissait l'air. Comment est-ce que la fée du marais ne remarquerait pas? Et pourquoi est-ce que tu dis que je ne devrais pas être égoïste? Plus important, pourquoi est-ce que tu l'as attaqué? Ça dépend de ta réponse, je ne montrerai aucune pitié envers toi. Je disais ça parce que le scellé va bientôt tomber. Lia, cette fée, ne laisse pas s'approcher du sceau. Arrête de parler, Vipo. Alors tu es devenu amical avec Lia. Hey, est-ce que ça va? Ah, finalement, Uruka a fini par devenir faible. Cela a pris pas mal de temps. Cette vieille peau est vraiment une sorcière incroyable. Elle ne laissait jamais tomber sa garde. Mais ça craint pour toi, Uruka. J'ai déjà levé le sceau. Quoi? Comment est-ce que tu me trouves incroyable? Bon, bien joué, Mani. Si bien préparé, Mani. Qui es-tu? Moi? Je suis la fée du marais, Mani. Telle que personne ne craint. Mais quand j'étais humaine, on m'appelait Aguni. Aguni, la prêtresse de Nikkei. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Uruka. C'est moi, la prêtresse du sacrifice, Aguni. Pour vous, j'étais une personne importante
s'est jetée elle-même dans sa propre tristesse et qui est morte dans le marais. Et moi, c'est Agouni. Vous avez utilisé des méthodes... Vous avez utilisé de vilaines méthodes pour tuer Nike. Je n'ai pas oublié ma colère contre vous. C'est le rôle d'Agouni. Mais j'ai fini par pouvoir lever le sceau de Nike. Oh, ça m'a demandé beaucoup de temps. J'ai été plutôt surprise quand Lia a pris Nike. Quand elle a pris une part spécifique de Nike. On l'a cherché pendant très longtemps, mais ils l'ont retrouvé sans même essayer. Enfin, ce n'est pas comme si je m'en inquiétais maintenant. 1000 ans, à quelques jours près, après sa mort, le dieu énigmatique qui traverse les mondes, Nike, va finalement revivre. C'est mon job de le tuer, c'est ça? Ah, je l'entends qui nous appelle. Je suis sûr qu'il veut nous dire bonjour. On attend une minute, d'accord? Moi, je vais y aller chercher. Hey, Vipo, tiens le coup. Hey, ouvre les yeux. Lorca crache du sang à travers la barrière. Merde, pourquoi est-ce que cela ne la soigne pas? Alia, ne sois pas aussi ne te restricte pas, ne retiens pas. Est-ce que tu essayes de la tuer toi aussi? Elle continue désespérément de lancer des sorts de soins, mais cela n'a aucun effet. Je fais ce que je peux, mais... C'est bon, vous deux. S'il vous plaît, arrêtez vos sorts de soins. C'est seulement mon moment. Ma vie est à sa fin. Qu'est-ce que tu racontes? Si on te soigne, tout ira bien. Ah oui, l'élixir. En convertissant le pouvoir magique de la sorcière en énergie vitale, une potion garantit l'immortalité, mais cela n'aura pas d'effet sur quelqu'un comme moi, qui a complètement perdu son pouvoir magique. Écoute-moi bien, Lia. Je ne t'ai vraiment rien appris. Et il faut que tu retournes. Retourne toutes ces choses à leur état naturel, je le sais déjà. Le livre d'Oroka, la sorcière, la doctrine des sorcières. J'ai lu tous les livres d'Oroka, je peux les réciter de mémoire. Quelle que soit la durée de ma vie, la mort semble toujours si abrupte. Lia, écoute mes derniers mots avec attention. Je sais comment tu te sens, je le sais. J'ai gardé ce sceau intact pour très longtemps, pour aucune raison. Mais même en sachant cela, j'ai quand même quelque chose qu'il faut que je vous demande. S'il vous plaît, prenez soin de ce sceau. Avec le pouvoir que vous avez, vous pouvez toujours le réactiver. Et cela doit être utilisé. Metalia Tech, prends ce que Uruka lui tend. Eh, tiens le coup, vieille peau. Eh, vieille peau. Arrête de m'appeler, vieille peau. Il n'a pas besoin de me le rappeler, je serai toujours ta vieille peau. J'ai été vraiment heureuse de te rencontrer, Metalia.
Le corps de Ruka se transforme en particules de mana et disparaît sans une trace. Hippo. Mani, Aguni. La fichue prêtresse de Nikkei. Oui, c'est moi, Lia. Je suis morte et j'ai été ressuscitée. Je suis revenue en tant que Mani, la fée du marais. J'ai attendu tout ce temps, traversant le marais que Nikkei avait laissé derrière lui. Il était rempli de haine. Mais cela ne sera plus le cas dorénavant. Merci à toi, Ia. J'ai attendu longtemps ma chance de pouvoir briser le sceau. Et honnêtement, Nikkei allait mourir dans très peu de temps. Le mana du monde était drainé bien trop pour qu'il puisse souffrir. Mais parce que toi et le chevalier avaient commencé à aller détruire les piliers, il a été capable de survivre. Tu as détruit le scellé et ramené le mana. Il y a vraiment merci. Je te suis vraiment reconnaissant. Maintenant, nous pouvons laisser Nikkei revivre. Il veut vous rencontrer. Accepte cette fin, Lia. Arrête, chevalier Malia. La fin. On tue le cheval. D'accord. Très bien, vieille peau. Je vais faire ce que tu m'as dit. Je vais sceller ce bâtard. C'est ce que tu as fait pendant toutes ces années, n'est-ce pas? Cela me fera me sentir un peu moins seul. Merci, Malia. Désolé, Visco. Je voulais vraiment te ressusciter. J'ai même joué avec d'autres mondes pour cela, et c'était juste impossible. Tout le monde est revenu sauf toi. Je suis sans pouvoir. Mais comme l'a dit la vieille peau, il y a encore quelque chose que je peux faire. Ya, qu'est-ce que tu fais? Désolé. Je suis désolé, Visco, et tout le monde. Lucky, je te relâche de ton contrat. Je vais te rendre le nom que je t'avais pris le jour où on s'est rencontrés. Ton nom maintenant est Bakael. D'accord, tu es libre. Pas là où tu le souhaites. Merci, Blackie. Mon loyal partenaire. Non, je suis Bakael. Et on va détruire cette pute. C'est moi ou... L'interface en haut a sauté. Et 54 minutes que je stream, alors que ça fait 1h28. 168 heures plus tard.